Je me réjouis que nous ayons pu mettre justement les moyens nécessaires pour pouvoir réaliser ce programme qui va permettre de, non seulement de désenclaver la région de l'Est qui en a grandement besoin, parce que c'est une région qui est vaste, c'est une région qui est peu peuplée, mais c'est une région également qui en matière de route présente beaucoup de lacunes. Il est important donc que cette route que nous allons construire, qui va de Bogandé à Fada, avec probablement une prolongation à Mani, à Taparco, que nous verrons par la suite, est une question de désenclavement, une question de développement des affaires et du commerce entre les différentes provinces. Ça a été également l'occasion pour nous, à travers les rencontres que nous avons pu avoir, de recenser également les préoccupations, autres que les questions de route. Et nous avons vu qu'il y a des préoccupations au niveau des installations sanitaires, il y a des préoccupations au niveau des écoles, il y a également d'autres types de préoccupations qui ont été évoquées, dont la plus importante est la question sécuritaire. Et comme vous savez, la zone de l'Est, tout comme la zone du Sahel, du Nord, des hauts bassins, etc., ce sont des zones où nous avons de temps à autre des attaques. Et donc, c'est une occasion non seulement d'encourager les populations, mais également de soutenir nos forces de défense et de sécurité. Nous devons continuer à nous battre, parce qu'il n'est nullement question pour nous, et je pense pour le peuple burkinabé, nos forces de défense et de sécurité, de baisser les armes, quel que soit le prix à payer.